route qui mène à l'hiver. Serpente au-dessus de la mer, la ville m'a fait prisonnier. Je sais plus où est mon oreiller. Parle-moi, parle-moi de toi. Tu es la bouche, je suis la voix. Parle, parle-moi. Comme si le monde autour n'existait pas. Parle, parle-moi. Tu vois, ça c'est le début d'une chanson que je suis en train d'écrire pour le prochain petit. Enfin, ça va être un grand. Puis, comme d'habitude, je reviens à Brignogan pour travailler, quoi. Brignogan, c'est autant Loquenolé, c'est mes souvenirs d'enfance. Brignogan, c'est mon adolescence avec d'abord mes racines du côté de mon père, puisque mon père est né à peu près à 2 km d'ici, devant ces rochers. Et c'est aussi dans ces rochers qu'a eu lieu le déclic avec Pierre Brasseur, puisqu'il a tourné ici les extérieurs de Goto, l'île d'amour, un film de Borojvic, et c'est là que j'ai rencontré. Et Brasseur, ça a été mon père Noël, puisque il m'a ramené dans sa hotte à Paris, et c'est comme ça que tout a commencé. Il faut dire que tout me préparait un peu à ça, c'est-à-dire que dans mon enfance, j'ai été entouré de femmes et de jeunes filles, c'est-à-dire ma mère qui était directrice d'école, ma mamie qui m'élevait pendant que ma mère faisait la classe, juste à côté d'ailleurs, ce qui fait que je ne pouvais pas en échapper très loin. Les élèves de ma mère qui devaient avoir, je ne sais pas, l'âge du certificat d'études et qui jouaient avec moi, comme avec une sorte de petit prince, un petit peu intouchable, et puis moi j'en profitais, quoi. Alors, je me réfugiais le temps où je pouvais partir dans la nature, aller parler aux oiseaux, engueuler les corbeaux quand ils chantaient faux. Je me réfugiais dans les bras d'une troisième femme qui était la solitude, et c'est là que tout a démarré finalement. Ma solitude à moi, c'était quelque chose de grandiose, c'était une conquête permanente de l'espace entre ce ciel qui était parfois bleu mais plus souvent gris, cette mer qui était parfois grise et plus souvent verte, qui était l'élément qui me manquait. Tu es né de la pluie, de ma folie, assailli par les vagues. Oh, île, tu surgis de l'oubli, ton paysage naît. Quand je dis que j'étais un solitaire, c'est un petit peu
faux, car dans la solitude de la Bretagne, sur les, parmi les vieilles pierres, il y a toujours tout un peuple de korrigans, de fées, qui étaient les personnages de mon enfance. J'ai toujours aimé rêver du Moyen-Âge, de châteaux peuplés de, peut-être de bandits aussi. Les pilleurs d'épaves, enfin, ici tout était propice au rêve, à l'imagination. Et sur la dune où on se retrouvait entre copains, ben c'était peut-être ces copains-là qui sont devenus les korrigans de ma vie, parce que c'est eux qui ont été aussi mon premier public. Et puis il y a eu à Brignogan une femme qui est aussi un personnage, qui est la cousine de mon père, que j'ai toujours appelée Tante Yvonne, et qui tient le café tabac sur la place, et c'est là que j'allais me réfugier quand mes parents me disaient c'est pas un métier, etc. Et puis moi j'y croyais dur comme fer, alors Tante Yvonne me remontait le moral de temps en temps. J'étais sceptique, j'ai un peu... je dis mon Dieu, la chanson c'est bien beau, mais il faut y réussir, si tu réussis pas, qu'est-ce que tu vas faire? Sa femme a dit, ben s'il ne réussit pas, elle dit, je crois que je vais devenir dingo. C'était très dur, très dur. Mais enfin, il a persévéré, il a réussi. Grand-mère lavait nos chemises au lavoir près de la remise. Le chat faisait le gros dos sur l'âtre auprès du feu. Quelle est belle ma Bretagne quand elle pleut. Papa nous contait des légendes, de trésors enfouis sous la lande. Maman cachait quelques pièces sous des draps très vieux. Quelle est belle la Bretagne quand elle pleut. Et la petite fille de l'école, je crois qu'elle avait la rougeole. J'ai jamais osé lui dire que j'étais amoureux. Qu'elle est belle, ma Bretagne, quand elle pleut. Et je rêvais de la Garonne, des bûcherons, des bûcherons. Le petit bois de chez nous a fini dans le feu. Qu'elle est belle, ma Bretagne, quand elle pleut. Tous les marins qui se souviennent des barques qui jamais ne reviennent ont une envie de la mer quand même. Au fond des yeux, qu'elle est belle, ma Bretagne, quand elle pleut. Mais les femmes ont gravité autour de moi, et puis quand elles ne le faisaient pas, je me chargeais de graviter autour d'elles. C'est important, oui, parce que la qualité première chez la femme, c'est la sécurisation. Les femmes disent toujours que ce sont elles qui, en se mariant, cherchent la sécurité. En fait, c'est pas vrai, elles sont beaucoup plus fortes que nous. Et bon, moi, j'ai toujours été un grand gosse, donc, puis j'espère que je le serai encore longtemps. Donc à certains moments de la vie, quand tout va bien et qu'on a envie de partager les joies, ou quand tout va mal, pour moi, il n'y a rien de mieux qu'une femme. Si, il y a les chats de temps en temps aussi, c'est bien. Mais bon, les femmes, on peut leur parler, on peut leur dire des choses, et elles répondent. Mon daramat? Ja, mon daramat? Bonjour, mamie. Ah, c'est lui? Ja, distinguette. Oh, Jean-Michel, depuis si longtemps. C'est vrai, hein? Que je t'ai pas vu. Mais ça sent bon ici. C'est fait du kick à face pour c'est toi. Vrai? Je sentais parce le kick depuis la rue, ça sent. Je sais. Alors, il y a les femmes qu'on épouse, il y a celles qu'on n'épouse pas, et puis il y a celles qui resteront toujours des grands-mères, qui le sont depuis toujours. Ma femme a une mamie qui est un personnage en plus typiquement breton, qui est solide comme le granit et tendre comme la vague. C'est un personnage très fort qui est avec une grosse voix et tout, comme j'aime bien. Quoi. Ah bon, c'est bien. Allez, viens. Allez, ok, on y va. Oui, allez, on y va. Alors, on attaque? Oui, on attaque. Allez, serre-toi. Vas-y.
Puisque à moi l'honneur puisque, ah oui, puisque tu es l'invité. Si j'avais eu à choisir l'époque où je vivais, j'aurais certainement choisi le Moyen-Âge. C'est pour de multiples raisons. D'abord parce qu'on pouvait se déplacer à cheval avec une seule guitare, sans avoir besoin d'impresario de garder de l'argent sur soi. J'aurais été de château en château, ou de village en village. J'aurais été à la rencontre des gens, j'aurais été chanté dans des conditions superbes. C'est-à-dire qu'on aurait bien mangé, on aurait bien bu, ça c'est important aussi. Et puis j'aurais eu peut-être l'avantage de conquérir la fille du châtelain, la fermière du coin. C'était bon, et puis j'aurais fait tout ça à cheval. Moi, ça m'embête de prendre une voiture. Kingmore, allez, Gwen. Kingmore. C'est là. Nadeo. Actuellement, mes espérances personnelles, c'est de pouvoir m'arrêter, de faire le métier en tant que show business assez vite. Je n'ai pas du tout envie de me retirer comme un ermite, mais j'aimerais bien souffler un peu. Je sais qu'un jour, je partirai, m'endormirai pour mon dernier voyage sur l'île, fille de l'infini, narguant. Toi.